Brigitte Macron, le livre qui raconte sa vie d'avant sa rencontre avec Emmanuel Macron. La journaliste Maëlle Brun s'est intéressée à la jeunesse de Brigitte Macron, à sa vie avant sa rencontre avec Emmanuel Macron, et a narré son histoire dans le livre Brigitte Macron, La Franchie, publié le 17 janvier prochain, L'Archipel. C'est un pan de la vie de Brigitte Macron que l'on connaît moins. La journaliste Maëlle Brun racontait la jeunesse de la première dame, et sa vie d'avant sa rencontre avec Emmanuel Macron, dans le livre Brigitte Macron, La Franchie, publié le 17 janvier prochain, L'Archipel. Une enfance marquée par la mort de sa sœur, lorsqu'elle n'avait que 8 ans et dash, un drame à propos duquel elle s'est livrée dans une interview pour Elle publiée en été 2017. « J'étais la dernière d'une fratrie de 6 enfants, ma grande sœur. S'est tuée dans un accident de voiture, avec son mari, et l'enfant qu'elle portait, se souvenait-elle. » Le récit du livre se poursuit par l'éducation de Brigitte Macron chez les bonnes sœurs, rapporte le JDD, puis son premier mariage en 1974, ses débuts comme enseignante à Fruchterchem, près de Strasbourg, jusqu'à, enfin, le lycée de la Providence à Amiens, au Hugrave, elle a fait cette rencontre qui a bouleversé sa vie avec Emmanuel Macron. À l'époque, la professeure de lettres a 41 ans, le jeune lycéen en a 17. L'idylle fait scandale. Importe, l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre est plus fort que tout. J'entendais, mais les gens n'osaient pas me parler. Mes frères et sœurs, qui sont plus âgés que moi, ont essayé de tenir le rôle que mes parents, n'étant plus là, n'ont pas tenu. Mais quand je décide quelque chose, je le fais. Parce que sinon, c'est fini, justifia Brigitte Macron lors d'une interview accordée pour le documentaire Macron, la stratégie du météore diffusé sur France 3 en novembre 2016.